Bernard de la Villardière, vous êtes ici à Saumur, salon du livre et du vin. Une première pour vous ? Une première au salon du livre et du vin de Saumur, en effet, et c'est une belle première. Voilà, j'ai signé quelques livres, ça m'amuse toujours et ça m'intéresse toujours de rencontrer les téléspectateurs d'Enquête Exclusive. Et il se trouve que ce livre raconte un peu les coulisses d'Enquête Exclusive et leur en dit un peu plus sur l'homme qui marche, puisque c'est ainsi qu'on m'a appelé à l'époque où j'ai lancé cette émission, selon la formule du présentateur à l'image, qui permet finalement de rapprocher ce qui est loin. Qu'est-ce qui fait le succès de cette émission justement ? Le succès de cette émission, c'est sa diversité, c'est le fait qu'elle emmène le téléspectateur à l'autre bout du monde et lui fait comprendre que ce qui est loin nous concerne aussi. Enfin, c'est dans un idéal qui était celui des années 70-80 au cours desquels j'ai grandi et je me suis forgé quelques idées sur le monde. Un idéal de fraternité humaine et de solidarité internationale. L'écriture, une passion pour vous ? L'écriture a toujours été une passion en fait. On dit souvent qu'un journaliste est un écrivain contrarié, donc voilà, j'ai essayé de satisfaire cette ambition modeste. Bien sûr, je ne me prétends pas écrivain, mais c'est vrai que dans l'audiovisuel, contrairement à ce qu'on pense, on écrit beaucoup. Dernière question, le maillage du vin et du livre, ça vous plaît ? Excellent cocktail. Merci à vous.